plus précisément dans le cas de Washington. Balobi maman marde né. Maman marde né. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es gagnant, ça, il y a un Congolais. On y dit que vous avez un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de la vie. Pour la Toto, on a un peu de la vie. Pour la Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es tout à fait dans la Chinois. Sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Pour que tu comprennes, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, ma Coréenne, la Coréenne, la Coréenne, Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. La rentrée parlementaire fait encore parler. Oui. Joseph Kabila Kabange, de retour. Alors, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que c'est une rentrée stratégique? Est-ce que c'est une décision personnelle de Joseph Kabila de tourner la page carrément à tout ce qu'on le rencontre sur lui, sur sa volonté de revenir au pouvoir? Est-ce qu'il ne vient pas contrôler de près ce qui se passe pour ne pas finalement avoir ce qu'il a eu l'autre fois avec Kwaati Lukwebo? Ça veut dire une grande partie des sénateurs ont désobéi au dictat. Est-ce que c'est comme ça? On va voir. Mesdames, Mesdames et Messieurs, je reçois le professeur Adolphe Voto, qui, ça fait longtemps que je ne l'ai plus reçu, parce que le prof est surchargé, il est avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions. Prof, comment allez-vous? Ça va très bien, je me porte bien. D'abord, l'actualité, c'est cette rentrée parlementaire, il faut le dire. Qu'est-ce que ça vous a... quelle image vous avez dans la tête quand vous avez vu le président, l'ancien président Kabila, qui n'était pas annoncé, mais qui débarque tout de suite? J'ai apprécié sa présence au Parlement parce que je crois que sa place, c'est là-bas. Ce qui était anormal, c'est qu'il soit en dehors du Sénat pendant presque deux ans déjà, presque deux ans. Et sa place, c'était au Parlement. Il ne pouvait pas continuer à rester en dehors du Parlement jusqu'à in eternam. Mais pourquoi c'est venu tard comme ça? Bon, je crois que, vous savez, au début, quand il est sorti du pouvoir... L'environnement, l'ambiance, les discours de l'époque, je crois qu'il fallait comme qu'il prenne un peu de recul, peut-être qu'il a pris trop de temps, mais il fallait bien qu'il rentre à sa place. Et est-ce que ça change quelque chose dans la beauté démocratique de notre pays? Est-ce que ça marque un point, c'est ce que je veux dire? Non, c'est positif. C'est plutôt la façon dont ses alliés se sont comportés, qui n'ont pas rassuré les uns les autres et se sont comportés vraiment comme si c'était dans une messe du parti, alors que nous étions au Parlement. Donc, c'était trop fort que chasser les naturels, ils reviennent au galop, ils n'ont pas su se contenir, ils se sont comportés pratiquement comme si c'était à Kinkakati ou comme s'ils étaient au PPRD, alors qu'ils étaient au Parlement. Mais c'était des chansons, on peut parler d'abord de la symbolique quand il arrive, c'est le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale et même le Premier ministre sont allés l'accueillir. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de précédent, on n'a jamais vu ça, qu'il n'y a pas un protocole bien établi, bien connu pour ça. C'était trop fort qu'ils ont toujours évolué comme ça. Et ils sont maintenant dans un cadre qui est officiel, qui est tout autre, mais ils n'ont pas pu se contenir. Et je crois qu'ils n'ont pas discuté de ça avant aussi. Et comment se comporter? Et c'est venu spontanément, bon... Vous savez, dans ce monde-là, ils ont évolué dans un système de courbettes où si vous n'allez pas vers le chef, c'est que vous êtes contre, c'est que vous avez des arrières idées, c'est que vous ne les considérez pas, c'est un crime de lèse-majesté. Ils se sont comportés comme ça. Alors que normalement, ce n'est pas Kabila qui le leur a demandé. Je crois que Kabila... Vous vous rappelez encore, il y a une réunion à Kisanto. Oui. De la majorité. Où on a il a refusé de s'asseoir. Hein, voilà, il a refusé le trône. La façon, comme d'habitude, mais lui, il les a calmés. Je crois que les gens doivent
apprendre à remettre Kabila à sa place. Sa place, c'est au Parlement. Sa place, il est sénateur. Il a, bien sûr qu'il a, il a droit à la considération, mais pas aux courbettes. Et si demain, on apprenait que Kabila n'était pour rien dans tout ça, est-ce que, et si on apprenait que Kabila, on le forçait simplement la main, et que de nature, il n'a jamais aimé la gloire, il n'a jamais aimé ses honneurs, parce que plusieurs fois en public, Kabila vous fait voir qu'il n'est pas dans ça, il n'est pas dans le folklorique. Non, c'est pas Kabila qui demande ça. Kabila n'a jamais demandé ça. Même ni Félix Tshisekedi, c'est nous. C'est nous les Congolais qui avons dansé pour Mobutu pendant toutes ces années, qui avons ça dans la tête. C'est nous les journalistes. Regardez ce qui se passe à la RTNC. À chaque fois qu'un nouveau président arrive, les mêmes personnes qui ont chanté Mobutu se convertissent en chantant Musée, en chantant Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils chantent Félix Tshisekedi. Personne ne leur a demandé ça. Mais c'est scandaleux quand même. Personne ne leur a demandé ça. C'est une autocensure, c'est un problème de personnalité, c'est un problème de vision. Ils ont été formatés dans cette école-là et ils croient que c'est ça qui paye. Et ils sont dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que regardez, on va voir un peu l'image de Kabila, quand il est par exemple sur la place Pascal ou même sur le boulevard, c'est à peine qu'il descend, c'est à peine qu'il montre sa main, c'est à peine qu'il se fait voir. Mais c'est l'euphorie du public, l'euphorie de son groupe, finalement, qui l'amène un peu plus haut. Est-ce que lui-même, Kabila, il n'y a pas de bonté en lui, peut-être? Je ne sais pas si je dois le dire. Une sorte d'innocence, une sorte de béatitude, je ne sais pas. Non, chaque être humain a toujours deux facettes. Oui. Il y a le bon Kabila, c'est un père de famille, c'est un monsieur. Et vous serez étonné peut-être que quand vous êtes à deux avec lui ou en famille, vous serez étonné de découvrir certains côtés extraordinaires qu'il a. Et chacun a aussi son côté, voilà, ce côté-là machiavélique, c'est parce que c'est le pouvoir, il faut protéger le pouvoir, et ainsi de suite. Mais le problème, ce n'est pas lui, c'est nous. C'est nous, le peuple. Et j'ai dit, Mobutu nous a marqué négativement, parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était obligatoire. Le DG ou le ministre était président sectionnel du MPR. Et quand Mobutu débarquait dans une entreprise, c'est le PDG à l'époque, on parlait de PDG à l'époque, qui entend la chanson révolutionnaire. Et si tu n'entends pas cette chanson, tu es contre la révolution et tu as le problème après. Et ça, c'est resté dans nos têtes. Cette mentalité est restée. Et ce qui est encore plus fort, c'est que nous avons transmis ça à nos enfants qui n'ont pas connu Mobutu. Mais qui ne savent pas exactement, comme ils ne sont pas informés, ils ne savent pas exactement pourquoi ils chantent, pourquoi ils applaudissent, pourquoi ils tirent les chaussures aux personnalités. Parce que chacun fait autant. Les députés, quand ils débarquent chez lui en province, ils font autant. Ils se font transporter par parti pour eux, ils se font chanter et tout ça. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est un travail qu'on doit faire. C'est un travail qu'on doit faire. Qui doit faire ce travail? À tous les niveaux. Est-ce qu'il faudrait que le président de la République, les autorités puissent montrer clairement leurs intentions, de refuser ces applaudissements. Je crois que pour l'intérêt de la République, les personnalités doivent s'abstenir. Doivent donner des mots d'ordre clairs. Je prends un exemple. Un autre exemple. Tous ces musiciens qui chantent les personnalités dans leurs chansons, général tel, excellence tel, mais ils reviennent à ces personnalités et disent non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais ils aiment ça. C'est ça le problème. Ils aiment cette gloire. Et ça nous rend ridicule. Oui. Ça nous rend ridicule. On n'est pas le seul pays dans le monde où on cite les noms de nos autorités comme ça. À travers le monde, ça choque les gens. Et ça. Qu'est-ce que je dirais? Ça fait un contre-coup à notre musique. Et parfois, les gens sont scandalisés. Et parfois, entre deux cris obscènes, ou entre deux chansons obscènes, c'est le nom du chef qui est là. La personnalité qui est là. Qui se trouve là. Il est lié à ça. Ouais. Et je crois que des personnalités devaient courageusement prendre un avocat et menacer ces gens qu'on arrête ça. Très bien. Parce qu'on n'en a pas besoin. De même pour les présidents de la République, je crois qu'ils doivent se prononcer clairement, dire aux gens, monsieur, merci, mais je n'ai pas besoin de ça. Comme à la RTNC, par exemple, pour commencer par sanctionner. C'est très important. Pensez qu'il faut aller jusqu'à limoger les gens pour qu'ils comprennent ça. Parce que ceux qui vous chantent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont vous huer demain, qui vont vous injurier demain. Ou qui vont chanter pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, voilà. Alors, mais on va terminer le dossier, Kabila. On ne peut pas le terminer de sitôt parce que c'est quand même un grand sujet déjà. Professeur, que dites-vous lorsque vous voyez
C'est quand même pas bizarre, c'est quand même bizarre lorsque les gens rencontrent Kabila, ils sortent tout de suite avec un autre commentaire. On va voir, je vais me rappeler des messieurs Valentin Moubaké qui a passé toute sa vie à critiquer Kabila, c'était un Rwandais, c'est quelqu'un qui n'était pas important et tout ça. Mais quand il sort, il dit, vous ne le connaissez pas, j'ai vu un homme extraordinaire, j'ai vu un homme que vous n'avez jamais connu. À un moment donné, on se dit, mais lorsque vous suivez Germain Kambinga, vous suivez Tshibala, vous suivez tout ce qui était Kike Moulouba et même Félix Tshisekedi. Hier, c'était... Oui, et qui a viré pratiquement. Et même Félix Tshisekedi, qui l'autre fois disait que Kabila, c'était le monstre, c'était le démon, mais aujourd'hui, il appelle mon frère. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise image, finalement, de Kabila, et que c'est une bonne personne qu'on a diabolisée, forcément que, parce que comment toutes les personnes qui rencontrent Kabila finissent par changer de propos? Non, comme je disais tout à l'heure, l'image que les gens ont d'une personnalité comme Kabila, comme toute autre personnalité de loin, elle est différente de l'image quand on s'approche de la personne. Kabila, on l'a présenté quand il prend le pouvoir comme un jeune homme qui n'a pas fait de hautes études, qui a limité sur le plan de la culture et tout ça. Mais pendant que le jour passe, il s'est formé. Et quand les gens l'approchent, ils tiennent avec lui des échanges, des discussions à haut niveau et ils sont impressionnés et c'est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, il y a les charges publiques. Les charges publiques. Ce n'est pas seulement Kabila. Je vous rappelle que tous les... Kabila, c'est encore moins. Mobutu, tous ceux qui ont rencontré Mobutu, tous les opposants de Mobutu, contrairement à Kabila, Mobutu approchait tous ses opposants systématiquement. Mobutu rappelait tout le monde. Tu peux aller en exil, tu peux devenir opposant, tout ça. Mais finalement, il tendait toujours le bois. Et quand vous revenez, il vous reçoit avec honneur. Vous discutez à deux. Et quand vous sortez de là, vous êtes transformé. Vous êtes transformé. Tous sont passés par là. Sauf Tshisekedi, peut-être. Mais alors. Mais Tshisekedi était son ami, il paraîtrait. Mais il était des grands amis. Ouais. Jusqu'au point que quand il avait des problèmes de famille, Tshisekedi allait le voir. Il s'est parrainé mutuellement des enfants. Donc, on va dire que c'était une opposition moderne, on va dire. Non, non, ça c'est la famille. Ok. Ça c'est la famille. On a grandi ensemble. Nos enfants se connaissent. On peut manger ensemble. S'il y a un événement dans la famille, un deuil ou un événement heureux, moralement, on doit se visiter. Mais sur le plan de principe, on n'est pas d'accord. Sur le plan de la charge de l'État, de la manière de gérer le pouvoir, on n'est pas d'accord. D'accord. C'est tout à fait normal. Et donc, c'est normal que les gens qui rencontrent Kabila, qui peut-être échangent avec eux, qui peut-être mangent avec eux, sortent avec une autre idée de Kabila. C'est tout à fait normal. Alors, la rentrée parlementaire, les gens disent tout de suite que Kabila est arrivé là, c'est pour contrôler les choses. Il arrive là parce que, bon, c'est le coach qui, finalement, change de tenue. Il prend la tenue où il enfile ses crampons. Bon, la grande question, selon vous, pourquoi Kabila est rentré en ce moment et qu'est-ce qu'il est réellement venu faire? Non, non. Qu'est-ce que Kabila ne peut pas contrôler qu'il doit venir jusqu'au Parlement pour contrôler? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une interprétation tout à fait caricaturiste. Les gens ont dit que c'est même un féticheur qui vient rentrer au terrain pour jouer tout ça. Ngangala, donc, non, non. Coach Kabila, Alati, au contraire, lorsqu'il est en dehors du Parlement, il contrôle mieux les choses parce que quand il veut, à chaque fois, on peut venir lui rendre compte et il donne des orientations. Il n'a pas besoin de venir au bureau de Mabunda ou au bureau de Tambemomba. Est-ce que ce n'est pas pour contrôler de près? Parce qu'il faut rappeler, de l'autre fois, on a donné un mot d'ordre au sénateur, mais Bahati Loukoubo a pu quand même prendre plus de 10 ou 11 sénateurs comme ça avec lui. Pourquoi? Il va entrer au bureau, il va entrer dans la réunion. On dit c'est pour faire asseoir Malonda. On dit c'est pour imposer Malonda maintenant qu'il est là. Ben, je pense que Malonda. Bien au contraire, sa présence serait des trous. Moi, je crois. Je crois que s'il est là pour pousser la candidature de Malonda, je crois que sa présence serait de trop, ça va jouer contre lui. Je ne sais pas, c'est leur calcul, mais personnellement, je crois que s'il est venu pour ça, alors ils ont fait un mauvais calcul. Mais je crois que c'est normal qu'il rentre dans une ville normale, d'après le pouvoir. Il a choisi d'être, de siéger au Parlement, c'est son droit, et c'est bon pour nous. C'est beau pour notre démocratie, pour dire qu'il y a une vie après la présidence, il y a une vie. Et il faut cultiver ça, c'est normal. On devrait l'y encourager. Est-ce que vous ne voyez pas que s'il y a quand même une dialectique à faire? Il n'y a pas longtemps, il disait déjà que Kabila allait revenir en 2023, c'est leur candidat, ils ne l'ont pas oublié. Et tout de suite, Kabila revient avec... il enfile même la casquette, disons, je ne sais pas comment on appelle ça.
sénateur. Est-ce que Kabila ne dit pas à ses collaborateurs, arrêtez, ma place, c'est au Parlement. Je ne veux pas être président. Battez-vous, vous êtes des adultes, battez-vous vous-même. Mais moi, je suis sénateur, ça me suffit. Ce que Kabila avait, c'est lui seul qui le sait. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Kabila rentre. Oui. L'année dernière, on a parlé de la rentrée parlementaire de Kabila. Vous vous rappelez? Oui. La rentrée politique de Kabila. La rentrée politique de Kabila, où Chadari a fait des conférences, a annoncé avec fracas et tout. Il est venu et puis il est rentré. Et puis plus rien. Aujourd'hui, il sort encore. Je crois que... Moi, je pense que Kabila veut avoir une vie normale. Une vie normale qui passe par la vie des sénateurs. Sera-t-il candidat, oui ou non? Je crois que Kabila est plus préoccupé par ses affaires, par son avoir. Il a de l'argent aujourd'hui. La garantie qu'il a de garder ce qu'il a et de se sécuriser. Donc, la sécurité de son avoir, de ses avoirs et la sécurité de sa famille. Je crois que de sa famille qui commence par lui-même. C'est ça qui le préoccupe. Si ça passe par un deal avec quelqu'un qui sera au pouvoir, il va passer par là. Si ça nécessite qu'il revienne au pouvoir, parce que il peut pas, Kabila n'ira pas en exil. Il n'ira pas en exil. Vous êtes si sûr? Ouais, je crois que, à moins qu'il soit forcé, si vous l'y forcez, mais sinon, là où il se sentirait mieux, c'est au Congo. Il peut faire ses affaires, il peut poursuivre ses affaires à travers le monde. Et c'est ça ce qui s'est passé en 2018. En 2018, je crois, les gens ont la mémoire courte, parce que Chadari, ça passerait difficilement, donc ça allait passer difficilement, entre Fayoulou et Fatshi. Je crois que le moins de mal, c'était Fatshi qui est beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus conciliant. Ils sont allés avec Fatshi. Et 2023, ça sera la même chose. S'ils pensent qu'avec telle ou telle autre personnalité, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ça peut me garantir la sécurité de ma personne, de ma famille et de mes biens, il ira par là. Mais pensez-vous qu'il peut faire une relation, une autre alliance avec Bahati Lukwebo, parce qu'on les a vus les deux sur la photo. Bahati, c'est normal. Je me suis posé la question, est-ce que c'est peut-être que depuis que Bahati a claqué la porte, pratiquement, depuis les élections de 2018, la veille des élections, où il a pris ses distances par rapport à Kabila, ce n'est peut-être pas la première fois qu'il a rencontré Kabila comme ça, il était tout content. Voilà, il était tout content. Je crois que Bahati... Oui, mais c'était une photo. Moi, j'ai parlé avec quelques câbles assez introduits. Non, il n'y a pas que la photo. Il n'y a pas que la photo. Il a fait une déclaration. Qui, les deux, qui a fait une déclaration? Non, Bahati. Oui. Bahati a fait une déclaration. Après. En disant que... Il n'a pas reçu Kabila. Kabila ne l'a pas reçu personnellement. C'était dans un cadre de bureau. Ils étaient à 15 tirés, à vous, je crois, à 15 ou quelque chose de ce genre. Donc, ce n'est pas une rencontre personnelle avec Kabila. Non, ce n'est pas une rencontre personnelle. Mais je crois qu'il était très à l'aise et très content. Ils ne sont pas ennemis. Il était très content. Je dis non, par rapport à ce qui s'est passé avant, oui. Je crois que c'était une très belle occasion pour Bahati de dire à Kabila qu'on n'est pas ennemis. Et il a fait, il s'est adressé à la presse. Après. Oui. Voilà, il a dit quoi à la presse? Dans un discours très conciliant, je paraphrase pour dire que Kabila peut encore jouer un grand rôle pour la démocratie. C'est sa présence, c'était une bonne chose, quelque chose comme ça. Ouais, donc en 2023, vous ne voyez pas les deux, vous ne voyez pas Kabila et Bahati pour la présidentielle ou Kabila ou Bahati président, non? Vous ne voyez pas ça comme ça? Non, Bahati n'a pas la carrure et la chance d'être président de la République dans ce pays. Pourquoi? Non, il n'en a pas l'étoffe. Comment ça, il n'en a pas l'étoffe? Il a été plusieurs fois ministre. Non, c'est un administratif, c'est un homme d'affaires. Ça ne suffit pas. Fayoulou n'a jamais été ministre. Donc, mais Tshisekedi n'a jamais été ministre. D'être ministre n'est pas la voie pour être président de la République. Ça n'a rien à voir. Mais il a le meilleur parti, disons l'un des grands partis. Oui, mais mieux représenté. Il a plus de gouverneurs, plus de vice-gouverneurs que beaucoup. Non, mais vous savez comment il a construit ses partis. C'est sur fond d'argent qu'il a gagné dans la gestion de la chose publique. Maintenant, et vous voyez tout ce temps, Bahati fait tout pour rentrer dans les affaires. Si Bahati fait 5 ans et qu'il n'est pas aux affaires, en 2023, il n'aura pas assez d'argent, sinon détruit sa petite économie. Bahati a fondé toute sa richesse, toute son économie sur la chose publique. Bahati n'est pas un homme d'affaires, vous le connaissez. C'est un activiste de droit de l'homme. Pourtant, Bahati était un homme d'affaires assez important à l'époque. Il dit qu'il a fait déjà des affaires avant. Hein. Non, c'est des histoires. Bahati n'est pas moi, je suis Bahati depuis 20 ans. Bahati, ce n'est pas un homme d'affaires. Bahati vient de la société civile. Mais il vendait. Il était un grand commerçant. C'était un... Non. Ah bon, vous nous apprenez alors? Non, Bahati s'est fait de l'argent au Parlement avec excusez que je le dise comme ça, avec quand il était le questeur
de Caméré, et avec tous les différents ministères où il est passé, il s'est fait de l'argent. Il était ministre de l'économie, il s'est fait de l'argent. De pas sa position. Donc, c'est pas, il essaie, bâtir, il jouerait un bon rôle de faiseur de roi. Et c'est le rôle qu'il a failli jouer en 2018, de faiseur de roi. Étant donné qu'il a beaucoup de députés, moi j'ai toujours dit que c'est là où Bahati bascule, où il y a la majorité. Donc aujourd'hui, et ça, la majorité, donc l'AMP, l'FCC a compris ça. Et ils lui ont repris ses députés parce que si on les laissait libres, ils pouvaient tout moment basculer vers l'opposition. Ou bien est-ce qu'il ne peut pas faire mal dans... La donne peut pas basculer. Est-ce qu'il ne peut pas faire mal, vous pensez, Mathilde, il ne peut pas faire mal à Kabila aujourd'hui en étant par exemple l'informateur du gouvernement ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'a pas les clés d'ouvrir la porte de la majorité parlementaire et de la vider? Bahati, c'est un fin politicien, c'est vraiment un politicien rusé, mais ça, il n'a pas toutes ses capacités, toutes ses marges de manœuvre, parce que ce que vous dites là, ça dépend de ce qu'il dit, ça ne dépend pas de Bahati. Et je crois que pendant tout ce temps, Bahati était à la traîne, c'était ça, c'était une offre pour Tshisekedi, mais Tshisekedi n'a pas mordu à ça. Normal qu'il puisse s'approcher de Kabila aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est rapproché de Kabila, ou parce que bon, il est sénateur quand même, qu'il a rencontré? Alors si vous ne voyez pas Bahati jouer le rôle de 2023, parce qu'il faudra en parler, voyez-vous par exemple un autre débouchage à l'UDPS? Peut-être débaucher Kabound, débaucher, je ne sais pas moi, quelqu'un de l'UDPS qui pourrait aller accompagner Kabila. Débaucher par la FCC? Oui, par exemple. À l'UDPS? Oui, pas possible. Qui ajouterait quoi? Ouais, peut-être qu'aller comme ça, fracturer l'UDPS, comme ça vous avez un autre, comme ils l'ont fait avec Tshibala et les autres. Oui, ça ils peuvent le faire, ça ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait au MLC, ils l'ont fait au Palou qu'ils ont détruit pratiquement, et s'ils ont l'occasion de le faire, ils le feront. Est-ce que le contexte n'a pas changé? Non. Le contexte peut changer, mais la logique n'a pas changé. Hein? Donc, on ne change pas la méthode qui gagne. Il le ferait toujours. Même au MLC, ça, ce n'est pas un secret. Même Bazaïb a été sollicité à plusieurs reprises pour devenir ministre. Donc, ils vont toujours continuer à le faire. Mais bon, est-ce que y a aujourd'hui combien de cadres qui incarnent vraiment l'UDPS? Je ne pense pas que Kabound ou Kabuya qui partirait, il partirait avec autant de gens, je ne pense pas. Tshisekedi incarne aujourd'hui suffisamment l'UDPS, et même si Tshibala est parti, les autres sont partis, mais ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que vous pensez, que pensez-vous de la carte Katumbi? Est-ce que Katumbi peut faire alliance avec Kabila en 2023, si jamais il y a cette approche-là? Ça dépend de ce qu'ils vont apprécier. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de se réconcilier. Ça sera au nom de quoi? Parce que le FCC ne voudra pas non plus. Hein. Vous savez qu'il y a des gens à le FCC qui ne seront pas d'accord avec le retour de Katumbi. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça sera perçu comme un chef qui revient. Alors, ils n'ont pas besoin. Oui, en politique, après, eux, après lui, ils ont grandi quand même. Ce n'est pas eux qui décident. Ce ne sont pas les lieutenants qui décident. Quand Kabila a décidé que c'est Shadad qui est candidat président, tout le monde s'est tué. Vous savez que tous ceux qui sont au FCC, implicitement, ils ont accepté de vendre leur liberté de penser à Kabila. Shadag, c'était une grosse erreur, et ils le savaient. Mais ils appellent ça discipline. Pas. Non, mais vous pensez qu'il allait passer, par exemple, Patata, ou Beminaku, Bati Lukoubou? Parlons de Katumbi. Je crois que si Kabila décide de renouer avec Katumbi, et si Katumbi l'accepte, il n'y a personne au FCC qui va s'opposer à ça. Et est-ce que ça peut être un ticket gagnant, vous pensez? Personne ne peut gagner les élections dans ce pays seul. Personne. Ni Katumbi, ni Kabila, ni Tshisekedi, ni Bemba. Personne. Les élections nous ont prouvé. Hein. Ouais, personne ne peut gagner les élections seul. Donc, aujourd'hui, les gens se battent pour leur chapelle. Mais dès qu'on arrivera à 2022, les alliances vont se mettre en place. Ça, c'est obligatoire. Et est-ce que Fayoulou peut accepter d'accompagner Kabila, ou Kabila accompagner Fayoulou? C'est possible? Ça sera une donne très difficile, ça sera un scénario très difficile, d'autant plus que c'est des extrêmes, ils ont des discours assez extrêmes, et ça serait très difficile. Mais est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Est-ce que, je vous rends la question, est-ce que le tandem Kabila Fayoulou serait majoritaire? Je ne pense pas. Dans la mesure où Fayoulou estime qu'il est gras de toute la population? Non, c'est pas estimé, c'est la réalité sur le terrain, Fayoulou, lorsqu'on parle de Fayoulou en 2018 ou en 2018, c'était pas Fayoulou décidé,
c'était la mouka. Ça, il faut prendre ça en compte. Mais aujourd'hui, Kabila doit composer avec Fayoul, est-ce c'est avec la mouka ou c'est avec les Sidé? Voilà. Alors ça, c'est une grande question. Si c'est les Sidé, mais... je ne pense que, pas que ce soit un ticket majoritaire. Mais aujourd'hui, Fayoul se considère comme un leader national et qui n'a pas besoin de la mouka. Il dit qu'il n'a plus besoin, enfin, pas lui, mais fait que les lieutenants disent qu'ils n'ont plus besoin de ticket à la mouka, ils ont juste besoin d'eux. Et parce que toutes les rencontres qu'il fait, Bimba n'est pas là, Katumbi n'est pas non plus là, mais ça ne les gêne pas. Non, non, c'est pas qu'il n'ait pas besoin de la mouka, je ne pense pas que c'est comme ça que Fayoul comprend les choses. C'est que pour être considéré, il doit exister. C'est pourquoi ils travaillent sur les CD. Sinon, ils n'existent pas. Sinon, les autres 2023, ce n'est pas 2018. Les autres 2018, la première danse, par exemple, c'est que Katumbi est là, il est au pays, il a tous ses droits qu'il a retrouvés. Il est probablement candidat. Il est probablement candidat, donc il ne sera pas obligé de travailler pour Fayoul. Bimba, c'est une autre question. On va voir ce que ça va donner d'ici 2023. Donc, pour qu'on les conseille, il faut qu'il existe, pour que les CD soient implantés. C'est vrai que Fayoulou de 2020 aujourd'hui, ce n'est pas le Fayoulou de 2017. Hein? Donc aujourd'hui, là, il est connu à travers le pays, il peut avoir la capacité, au moins, le fait d'être connu, c'est déjà beaucoup, la capacité d'implanter son parti dans tout le pays, mais aussi, il faut en avoir les moyens humains et les moyens financiers. Alors, revenons sur le discours de lors de la rentrée. C'est finalement le président de la République qui, disons, M. Thabo Mbeki, qui, dans son discours, eh bien, il dit bien des choses, il parle de l'insécurité. Pour la première fois, Kabila est là, assis, pas à la tribune, mais bien vraiment, une première heure quand même. Et dans ce que Thabo Mbeki dit, vous avez certainement suivi les discours, mais il va dire quand même, il va citer un auteur, Umberto, qui parle de réseaux sociaux, qui ont donné la parole aux imbéciles et qui, des gens qui ne pouvaient pas parler que dans les bars et qu'on pouvait taire facilement, ils ne causaient pas de tort à la collectivité. Et lui, il appelle, dit après que c'est une sorte d'invasion des imbéciles. Eh bien, alors, est-ce que c'est une situation qui avait sa place? Est-ce que Thabo Mbeki répond finalement aux nombreux Congolais qui l'ont attaqué au sujet de cette dame qui avait son enfant? Est-ce que à qui il pouvait s'adresser quand il a cité cette citation? Oui, bien sûr, vous avez la réponse. Il a été souvent attaqué, notamment par les réseaux sociaux. Mais c'est ça notre environnement communicationnel. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas y échapper. Ce que vous avez à faire, c'est de vous faire accepter par ce public. Ouais. Poser des actes, développer un discours qui vous fasse accepter par ce public qui vous adopte. Mais sinon, vous serez toujours face à ce public-là. Et vous ne pouvez pas vous en passer. C'est comme ça. Donc, ce public ne trouve de la matière qu'au travers de votre comportement, de votre gestion et de votre discours. Donc, au lieu de se plaindre, je crois qu'il devrait faire beaucoup d'efforts pour rencontrer les préoccupations de ce public-là, qui sont des Congolais. Mm. Ils n'ont que ça comme public, ils n'ont que ça comme population, ils n'ont que ça. Même si c'est une population qui est tordue, même si c'est une population... Mais vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça, comme vous disiez, Mobutu, à un moment, ils disaient que ce sont des braillards. Mais vous n'avez que ça en face. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous ne les rencontrez pas, vous n'avez pas votre place parce que vous les représentez. Très bien. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude du Premier ministre Thabo Mbeki, je veux dire, le président du Sénat, Thabo Mbeki, est-ce qu'il ne s'est pas vu, ça c'est, j'ai senti d'imaginer, est-ce qu'il ne s'est pas vu un peu supérieur à Kabila pour une fois au moins dans la vie? Il est celui qui parle, Kabila se tait, il est là assis, pas du et celui le président. Pas du tout, parce que... Ou il était en face de son faiseur, il dit, ben, je suis en face de mon faiseur, il est pas là, parce que... je fais très attention. Parce que c'est pas parce que Kabila n'est plus aux affaires, c'est pas parce que Kabila est dans le rang. Non, mais dans leur tête, que ce soit Kamabunda, que ce soit Thabo Mbeki, dans leur tête, Kabila, c'est lui, Kabila. Mais quelle puissance cet homme-là, finalement. La preuve. Parce que c'est lui qui les a créés, justement. Voilà, même si Thabo Mbeki a existé avant, mais c'est lui, ils savent que là où je suis, c'est lui. Et c'est pourquoi, lorsqu'il se présente, ils vont le recevoir. Voyez-vous, c'est tout à fait normal, je pense. Pour eux, c'est d'abord le parti. Pour eux, c'est d'abord la plateforme politique. Vous rappelez Ilunga Ilukamba, lorsqu'il tient son discours comme Premier ministre, il remercie le président de la République, il remercie son autorité morale. Je crois que c'était le contraire. Donc, le contraire. Voilà. Et là, d'abord, commencer par remercier l'autorité morale, si je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est dans la tête. Mais dans le discours aussi de Thabo Mbeki, d'une part, il a parlé du chef de l'État. Voilà. Même pas une fois, même pas un petit mot, rien du tout. Mais tout à fait normal. Mettez-vous à la place de Thabo Mbeki, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour lui, tu sais qu'il dit, bon, c'est un accident de parcours. Pour lui,
Bon, on fait avec, mais dans sa tête, c'est pas ça. Dans sa tête, c'est Kabila. C'est ça. Est-ce que Thambo Mwamba se met déjà dans la peau d'un dauphin constitutionnel? Au cas où Félix a un problème, il saute sur l'occasion, il devient président de la République. Oui, c'est une hypothèse que prévoit la Constitution. C'est une hypothèse. Ben, quand on est à la place d'un moment, ben, on peut rêver. Hein, c'est normal que dans son lit, peut se réveiller. Parce que vous êtes à un seul pas. Hein, voilà, c'est juste un seul pas pour devenir président. C'est tout à fait normal. Une petite maladie suffit et vous devenez président. Et par rapport à quelqu'un comme Thambo Mwamba qui a tout gagné dans la vie, il a été, sauf qu'il n'a pas été premier ministre, il a été ministre à plusieurs reprises. Il est aujourd'hui chef d'un grand corps au Parlement. Donc, il ne reste que ça. Donc, ça n'empêche pas. Et les scénarios ont été montés. Hein, ce n'est pas un secret. Il y a des scénarios qui ont été envisagés par le FCC, même si c'est difficile à l'accomplir. Mais c'est que tous ces gens ne peuvent pas s'imaginer, c'est peut-être que Kabila puisse encore le surprendre. Moi, je suis convaincu que ce qui intéresse Kabila, c'est son argent. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Aujourd'hui, la seule chance pour que Kabila revienne au pouvoir, c'est comme il tente de le faire, c'est changer... la Constitution. Modifier la Constitution. Modifier, ça va être difficile, peut-être changer carrément. Parce qu'en modifiant l'article 220... Obtenir que le président de la République soit élu par les députés. Et à deux tours. Voilà. Il n'y a que ça. Mais si ils n'arrivent pas, et ça, je vois pas comment ça va passer auprès de l'opinion. Ça sera très difficile. Je suis pas la réaction. Je viens de suivre tout à l'heure un micro-baladeur autour de ça. Mais ça va mettre le pays à feu. Les Congolais ne vont pas accepter. D'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, les élections des sénateurs nous ont prouvé. Et il y a eu jurisprudence. Il y a des documents qui existent. Le président de la République s'est prononcé que c'était des élections calamiteuses. Je ne vois pas, dans les mêmes conditions, demander que ces gens-là puissent élire le président de la République sans être corrompu. En termes clairs, ça veut dire que le chef de l'État sera élu par 600 personnes seulement. Ça sera très difficile que ça passe. Et 600 personnes qui appartiennent, on sait bien, à une famille, bien et bien identifiée. Ça sera très difficile. Et si ça passait? Ça va laisser des dégâts terribles. Comme toujours, comme les gens pensent que les intérêts individuels sont au-dessus des intérêts collectifs peut-être. Mais sinon, si les gens ont encore le sens de l'État, je vois comment ça va passer. Ça sera très difficile. Mais pourquoi c'est Ngoïka Sanji qui le dit? Non, mais il est courageux parce que, vous savez, Ngoïka Sanji a été au centre de beaucoup de communications négatives, tout ça. Ngoïka Sanji, rappelez-vous, même avant l'incident Mokia, Ngoïka Sanji a été très présent dans les médias déjà avant. Déjà avant. Et pratiquement, parce que Ngoïka Sanji étant du Kasaï, il s'est constitué où on l'a présenté comme... Les leaders de l'autre côté. Pas les leaders, mais quelqu'un qui peut contrer. Ouais. Voilà, d'accord. Il ne fait pas le poids, parce que quelqu'un qui peut contrer, voilà. Et il est content dans ce rôle-là, et il s'en est approprié, et il s'est donné le rôle de pouvoir s'attaquer à Tshisekedi, s'attaquer à l'UDPS. Et c'était que normal qu'il puisse porter ce discours-là. Est-ce que, maintenant, parlons de Mme Mabunda. Mme Mabunda, elle aussi, quand elle prend la parole, elle parle, encore une fois, elle attaque les réseaux sociaux. Elle dit non, mais on m'a insulté, c'est à travers moi, si on m'insulte moi, c'est l'institution qu'on insulte, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que finalement c'était une rentrée de règlement des comptes où chacun a utilisé son petit temps pour répondre à tous ces détracteurs anonymes et ceux qui sont visibles, ou ils ont raté l'occasion? Mais je crois que nos présidents, nos deux présidents, ne font pas, surtout Mabunda, elle n'a pas fait l'analyse exacte de la communication qui s'est passée autour de... Je déplore tout ce qui a été dit autour d'elle. Je compatis, il faut avoir le respect pour les femmes. Mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont dit ça. Ça s'est passé dans un meeting. Et quelqu'un a filmé et c'est passé par les réseaux sociaux. On incrimine les Congolais, quel que soit le commentaire qui peut faire. On a incriminé les réseaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé ces images. Ce sont des gens identifiés. Ce sont des gens identifiables. Le problème, c'est à ce niveau-là. Le problème, c'est la guerre entre le FCC et les CACH. Le problème entre l'UDPS et le PPRD. Oui. C'est là où il y a... Et c'est eux le problème. Ce n'est pas, les internautes. C'est eux qui donnent la matière aux internautes. Donc, et je crois que c'est là où ils devaient travailler.
Est-ce qu'elle avait besoin de dire, parce que finalement, les gens répondent à Mme Abunda en disant, oui, madame, vous dites ça, mais lorsque le sénateur Tambo Mwamba a ridiculisé Mme Bijoungouya, vous étiez là, vous êtes tu. C'était aussi une femme qui était laminée, ridiculisée. Lorsqu'on a violé ou on détruit, on tue les femmes à l'est du pays, vous ne vous indignez pas du tout. Alors, est-ce que c'est une réponse qui convient à Mme Abunda? Non, Mme Abunda s'est indignée par rapport aux familles. Elle a toujours dit ça. Elle a été conseillère de Kabila en matière de gestion des violences sexuelles. Oui. Moi, je suis ça très bien. Donc, elle s'est toujours indignée par rapport à ça. Le problème, c'est là où vous dites, j'ai dit, c'est eux qui donnent la matière aux internautes. Lorsque Tambo et moi, on va prendre la parole pour ridiculiser Mme Goya, ce n'est pas les internautes. Les internautes ne font que constater et ne font que commenter. Et après, ils s'indignent. S'il y a eu des relations entre Tambo Mwamba et sa bonne, tout ça, c'est pas... Cette dame-là qui dit qu'elle a un enfant, voilà. Cette dame est passée, mais évidemment, elle est passée dans les réseaux sociaux. Mais c'est elle qui a parlé. Et elle a été arrêtée, il paraîtrait, arrêtée, relâchée. Mais voilà. Donc tout ça, on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est que parfois les internautes en font trop, mais ce n'est pas les internautes le problème, ils ne feront que ça. À cause de frustration qu'ils ont par rapport à la gestion et tout ça. Mais ce sont eux qui donnent la matière aux internautes, qui puissent réguler leur comportement et recadrer leur gestion, tout irait mieux. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. Je voudrais d'abord qu'on sache un peu sur quels sont les grands enjeux de cette rentrée parlementaire. Est-ce que ça sera une rentrée où l'on va destituer certains ministres? Est-ce que, parce qu'on parle de Teni Longondo, on parle du ministre de l'Intérieur, que de ministre de l'UDPS, est-ce que ça ne sera pas une rentrée où on va dire, bon d'accord, mais on va faire la table rase, on va cristalliser la crise, ou c'est une rentrée qui va porter les espoirs des Congolais? La rentrée, d'abord, elle est budgétaire. Malheureusement, ce n'est pas ce qui préoccupe les parlementaires. Qui s'investirait pour que le budget puisse être revu à la hausse, pour que les recettes puissent rentrer. Parce que ce qu'ils devraient faire, c'est ça, c'est travailler pour qu'il n'y ait pas de coulage de recettes, travailler pour qu'il y ait plus de recettes. Vous verrez qu'ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans autre chose et autre chose. Ça, les enjeux forts de cette rentrée, c'est la gestion de la CENI. C'est le gouvernement, certainement, pendant ce mandat. Tout va tomber. Le gouvernement va tomber, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi vous retrouvez ministre, pourquoi pas? Bon, je ne sais pas, je suis un fonctionnaire. Si l'État pense que je peux rendre service, je serai réquisitionné dans ce cas-là. Donc, il y a le gouvernement, mais il y a cette question-là de l'avenir de Kabila qui va se jouer là. Parce que, comme j'ai dit, la seule... Comme les amis de c'est pour eux... Les enjeux qui comptent d'abord, c'est Kabila, et ils existent à travers Kabila. Pour eux, la seule façon, et ils sont conscients, la seule façon pour que Kabila revienne aux affaires, c'est les élections au deuxième degré. Et ils savent que ça ne peut passer que par la modification de la loi. Et c'est ça les grands enjeux. Alors, et tout ça, c'est que ce soit la CENI, que ce soit les élections, tout ça, c'est essayer de contrôler les choses, sinon, pour ne pas dire de manipuler les choses pour que Kabila rentre. Parce qu'ils savent qu'en dehors de ça, Kabila n'a aucune chance pour rentrer. Et l'affaire Malunda, est-ce qu'on est sorti de l'auberge ou on est encore là? Malheureusement, pas du tout. À attendre le discours de Mabunda, Mabunda est revenu à la case de départ. Elle a demandé que les autres composantes puissent envoyer leurs représentants pour qu'ils puissent envoyer la liste. Ajouté à celle de Malunda pour envoi au président public. Pendant ce temps, le président avait déjà renvoyé ses dossiers au Parlement. Donc, ça va encore nous faire rentrer dans des polémiques. Je crains qu'on ait encore le même scénario, que le peuple descende dans la rue. On marche dans la rue, qu'on tire dessus, malheureusement. Parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. S'ils n'ont pas le contrôle de la CENI, c'est fini. Si on va aux élections transparentes, ils sont écartés. Pourquoi ça fait même pire? Non seulement ils n'auront pas la présidence, ils n'auront pas la majorité présidentielle. Mais pourquoi ça fait... La majorité parlementaire. Pourquoi on a l'impression que ça fait plus peur au PPRD qu'à l'UDPS, les élections transparentes? Est-ce que l'UDPS n'est-elle pas elle aussi concernée? Elle non plus n'a pas peur de ces élections transparentes? Non. Au niveau d'abord de la présidence, l'UDPS est en train de récupérer la situation.
Déjà, vous avez vu la, toutes les ordonnances qui sont contestées par, par l'EFCC, c'est pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui va commencer à contrôler la justice, et la, notamment la Cour constitutionnelle. De deux, la présidente de la CENI, l'UDPS est en train de voir. L'UDPS ne veut pas donner l'impression à la population qu'elle elle fait le même chemin avec l'EFCC qui vient imposer Malonda. Ils vont se prononcer le moment opportun. Aujourd'hui... Quoi ça? Avec Malonda. Oui, d'accord. Ouais, c'est pourquoi il laisse faire le FCC. Il les laisse évoluer seul à soutenir Malonda. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours récupérer la situation le moment opportun. Donc, l'UDP est en bonne position aujourd'hui. Et par rapport au Parlement, par rapport à la députation nationale, l'UDP est quand même en bonne position pour reconduire ses députés ou sinon gagner plus de députés aujourd'hui. Ouais, donc, l'UDP est en bonne position. Ils n'ont aucun intérêt à faire... Le même chemin avec le FCC. Est-ce que vous pensez que la situation politique telle qu'elle est en train de se présenter, est-ce qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre pour la Mouka, par exemple? Moi, je crois que la Mouka est en bonne posture. Parfois, quand Fayulu s'agite, je me dis Fayulu s'agite inutilement. Il doit se calmer, il doit implanter son parti, il doit entretenir la Mouka. Ils sont en bonne posture. Vous n'êtes pas d'accord avec lui dans la démarche de destitution du chef de l'État? Mais quand on commence une démarche, il faut être sûr que ça va aboutir. Si vous savez que ça ne va pas aboutir, pourquoi dégainer le premier parce que vous y laissez de plume? Ça ne sert à rien. Mais je crois que la Mouka est en très bonne position parce que la Mouka constitue l'alternative aujourd'hui. Parce que ceux qui sont aux affaires, ils ne proposent pas mieux. Ils sont là pour un mandat, bientôt 2 ans, le problème de sécurité reste entier, la situation économique, la pauvreté, la situation sociale se détériore tous les jours. Si on va aux élections aujourd'hui, je ne vois pas quel discours ils vont tenir. Donc, au moins, la Mouka n'était pas aux affaires. On peut leur faire confiance. On voilà, va dire, bon, d'accord, on va, les a pas on, va essayer, on va essayer avec eux. Mais voilà. Mais alors, peut-être pour terminer ces dossiers de la rentrée parlementaire, est-ce que l'hypothèse de mettre le chef de l'État, de le mettre en accusation, comme bien le dire, on l'oublie? On passe à autre chose? Ben, je ne pense pas que les conditions soient réunies. D'abord, même, vous avez vu le discours de celui qui a été l'initiateur de ce projet-là a évolué, le pasteur Todongoy. Voilà, il dit ce qu'il demande, c'est que le président puisse rapporter les ordonnances. Rapporter les ordonnances. Sachant qu'il ne le fera pas. Voilà, il dit qu'il n'a pas dit forcément qu'il soit mis en accusation, ce n'est pas son intention. Ouais, donc, pourtant, c'est ce qu'il a dit. Au départ, oui. Donc, je crois que ça évolue. Si lui-même, déjà, qu'est l'initiateur, il commence à nuancer, je crois que... Et puis, il y a eu la sortie du procès Nyambirungu, qui n'a pas tout à fait renforcé les choses, sauf que dire qu'on fait maintenant le lien, on dit, mais donc, on comprend que ça viendrait de ce côté-là. Oui. Mais voilà. Alors, je pense que les conditions ne sont pas encore réunies. Alors, il y a aussi, dans le discours de Mme Abunda, ça m'a échappé, mais ça revient. Dans le discours de Mme Abunda, elle a parlé du docteur Denis Mukwege. Pour la première fois, le PPRD s'intéresse aussi à la vie du docteur Mukwege. Quand je pense, quand il était prix Nobel, c'était un orphelin avec toutes ses distinctions. Il montrera à qui son père ne l'aime pas, à qui va-t-il montrer son diplôme. La maman n'est pas là, donc le docteur Mukwege était un orphelin avec ses distinctions. Aujourd'hui, le PPRD reconnaît. Est-ce que le PPRD ne veut-il pas voler les docteurs Mukwege au président Félix Tshisekedi, encore qu'il faut qu'il s'en serve lui aussi? Mais c'est de la bonne guerre, c'est tout à fait normal. Hein, c'est la bonne guerre parce que le docteur Mukwege s'approchait. Moi, j'ai vu le docteur Mukwege à Kinshasa une fois lors d'une visite. Il faut voir comment les politiciens se battaient pour prendre des photos avec lui. C'est un peu l'image. Donc, tout le monde voulait s'afficher avec le docteur aujourd'hui. Et ça fait quelques sympathisants, surtout dans les Kivu. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Et ça, il faut dire quand même que Mabunda a raté une belle occasion parce que quand elle fut conseiller du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Ouais, c'était la belle occasion. Ouais, à l'époque, je ne me rappelle plus très bien, parlant de Mukwege, il a, parlant de son prix, elle a nuancé pour ne pas un peu minimiser, pour dire que félicitations, c'est bien pour ses compatriotes qui, il faut le dire, n'est pas le seul
n'est pas le seul à se battre en faveur des femmes. Donc c'est comme si elle voulait ramener Mukwege au niveau des autres activistes des droits de l'homme. C'est pas là. Mukwege, c'est au-dessus des autres. Donc si le bon sens revient aujourd'hui pour qu'elle puisse, parce qu'il s'agit d'une bataille commune, je crois que c'est pas tard. Mais Mukwege n'a pas réagi. Hein. Pas de tweets, pas de commentaires. Je sais pas si il n'a pas réagi. Pourquoi il réagirait? Ben, il dit que merci quand même, non? Merci de m'avoir cité. Merci. C'est à l'Assemblée nationale, c'est pas de partout. Hein. Non. Ou alors M. Mukwege n'est pas de nature à remercier, parce que même quand le chef de l'État avait parlé de lui, je n'avais pas non plus vu un tweet hein, félicitant le chef de l'État ou remerciant le chef de l'État de l'avoir parlé de lui. Non, mais est-ce qu'il faut dire merci d'avoir parlé de moi? Non. Peut-être pas. Je pense pas. Mais à d'autres occasions, on peut toujours reconnaître. Je sais que, comme je disais tout à l'heure, Mabunda s'est toujours prononcée en faveur de la lutte contre les violences sexuelles. Elle a toujours déploré quand on a violé nos filles. Lors des examens d'État, elle a fait un tweet, elle a déploré ça. Le président Fatih a rencontré Mukwege à New York. Ils ont parlé de fonds mondial pour la lutte contre les violences sexuelles. Donc, je crois qu'il y a toujours des occasions où on s'approche dans l'intérêt du Congo. Alors, terminons maintenant l'image du jour. En fait, je ne sais pas si ça va être du jour. Ah, mais non, mais il y a encore quelques minutes à parler parce qu'il y a un autre thème assez important, toujours qui va découler de ce que je vais dire tout à l'heure. Le président de la République a accompagné le président de la République de Congo, Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, avec sa femme, Mme Antoinette. Ils sont arrivés à Kinshasa, donc il y a eu une messe. Et puis après, vous connaissez la communication mieux que moi parce que vous enseignez. Alors, il y a un monsieur qui est juste devant. Madame se met et puis dit à Madame, non, saluer l'ancienne première dame. Le président, quand il arrive, il fait la même chose. Le président saluer l'ancienne première dame. Et quand Madame Denise s'approche pour saluer Madame, on sent qu'avec beaucoup de politesse, beaucoup d'enthousiasme, elle s'incline carrément. Mais alors Madame Olive reste vraiment dans ses droits, dans ses bottes. Elle salue pas, elle sourit pas non plus. Elle manifeste aucun geste apparent comme ça. Peut-être qu'elle a dit qu'on n'a pas entendu. Et elle part, et tout de suite après, le président arrive, il dit « Maman Bonnie », et puis elle répond, je crois, timidement, et le président revient. Lorsque la première dame de Brazzaville, du Congo-Brazza, arrive, à distance, cette dame, cette fois-là, elle ne s'incline pas beaucoup, en tout cas, mais elle fait juste un signe de, on va pas dire Wakanda, mais un signe de comme ça. Et puis la première dame, l'ancienne première dame, Olive Lembe, fait la même chose avec un sourire, comme pour dire « Je suis avec vous, je vous respecte, mes condoléances, ainsi de suite. » Est-ce que, comment, en tant que communicateur, en tant que communicologue, comment vous interprétez cette image-là? Quels sont les mots et la considération que vous donnez à cette image? L'image, elle est très expressive. Nous disons que nous ne communiquons pas seulement que par le verbal. On dit tout est communication, et particulièrement le geste. Les gestes sont communication. La distance qui nous sépare, lorsque vous allez avec quelqu'un, c'est de la communication. D'abord, le fait que, je ne sais pas si c'est quelqu'un du protocole qui a demandé à la Madame Denise d'aller saluer Madame Olive Lembe, ce qui est tout à fait normal. Okay. La configuration, c'est que nous sommes dans un deuil. En famille. Nous sommes en famille, nous sommes à l'église. Olive Lembe, c'est quand même, elle a préséance sur Denise. Elle a été première dame avant Denise. Donc, c'est tout à fait normal que Denise puisse aller vers elle. Et Denise a bien fait, c'est à tout son honneur. Je vis dans les réseaux sociaux des gens qui ont commenté dans le sens à pouvoir minimiser les gestes de Denise Zakir. Au contraire, c'était tout à fait normal qu'elle sorte de rang pour aller ce qui est sa précédente, en termes de précédence, c'est comme sa précédente, même si elle n'est plus aux affaires, c'est tout fait normal. Et elle s'incline avec toute docilité. Hein? Il n'y a pas du répondant. La communication, c'est aussi au niveau de l'inclinaison. Voyez-vous? Il n'y a pas eu du répondant au même niveau. Donc, dès lors que Denise trouve que c'est elle qui était première dame avant moi, c'est comme un aîné, mais elle, Olive Lembe doit reconnaître que c'est elle qui a aux affaires aujourd'hui. Oui, tout à fait normal. Madame Olive a manqué. Madame n'a pas été spontanée. Oui. Elle a manqué quelque chose et elle a traduit un peu son état d'âme. Voyez-vous, le fait que tu
le visage, le sourire n'a pas répondu, le geste n'a pas répondu, elle est à peine qu'elle s'est inclinée. Et ses bras n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'elle n'était pas très réceptive. Et c'est à sa défaveur. Est-ce que c'est une question d'éducation, vous pensez? C'est une question d'éducation? Non, ce n'est pas une question d'éducation. Madame Olive, c'est une dame qui est bien éduquée, je crois. C'est l'expression du cœur. Ou alors, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas beaucoup, je ne t'apprécie pas beaucoup, on a vraiment fait beaucoup de liens. C'est l'expression du cœur. Vous savez, les premières images fortes, c'est lors de la pression de serment du président Tshisekedi. Oui. Voilà. C'est quoi, c'est Olive qui a essayé d'arranger la robe. Voilà. Alors, on peut dire que c'est un... Voilà, à ce moment-là, voilà. Et depuis cette image-là, de la prestation jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous verrez que si vous prenez ces deux grandes dames, elles sont devenues très médiatiques. Olive l'aime, on ne sait pas pourquoi. Et vous, si vous suivez leur évolution, à chaque fois que Denise fait une grande sortie, Olive fait une sortie. Si Denise approche telle communauté ou telle catégorie professionnelle, Olive fait la même chose. Fait la même chose, sinon ailleurs. Ailleurs. Donc il y a comme... une petite guéguerre entre... Comme une émulation. Oui. Il faut penser positivement. Comme une émulation qui ne dit pas son nom. Effectivement, Olive travaille. Elle travaille sur terrain, dans le domaine. C'est que Kabila ne peut plus être plus sur terrain aujourd'hui, parce que ça serait interprété autrement et tout. Mais Olive, dans le domaine social, elle peut continuer à travailler, mais il y aura toujours une récupération politique un jour. Et donc, il y a cette froideur-là a traduit cette relation qui s'alourdit du jour le jour. Quant au président de la République, c'est tout à fait normal. Olive, mais c'est une dame, préséance aux dames, c'est normal. Et puis l'élégance aussi. Oui, l'élégance, que les choses, l'État aille vers elle et puisse la saluer avec respect. Comment vous expliquez que... Ouais, plus encore, c'est la présence de maman Antoinette qui a trahi Olive. Oui, parce que si on restait là, on dirait qu'elle s'est pas réveillée ce jour-là. Bon, elle avait peut-être des courbatures, elle était de mauvaise humeur. Ouais. Mais quand elle réagit spontanément à maman Antoinette, on sait maintenant que là, ça passait. C'est un problème personnel. Alors, mais comment vous expliquez que les deux présidents se sont rencontrés plusieurs fois, mais pas leurs femmes? J'ai fouillé, on m'a dit qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Depuis qu'ils ont commencé, depuis en tout cas, à part ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, jamais, jamais, jamais. Bon, je n'ai jamais fait attention à ça, mais c'est très dommage, alors qu'ils avaient plusieurs occasions pour se voir. Mais pourtant, leur mari s'est rencontré souvent. Oui, c'est peut-être pour des charges d'État. Elles, comme elles n'ont pas de charge d'État direct, elles se rencontrent, Moussengo dirait, par des voies parallèles. Donc, quand Denise va visiter, par exemple, les orphelins, le lendemain, elle va voir les artistes. Quand c'est comme ça. Denise va voir telle, elle va voir la femme de Caméré. Ouais, donc, c'est des sorties comme ça. Mais bon, c'est la bonne guerre, c'est la politique. Alors, comme dit qu'à travers leur mari. Le deux maris, disons, oui, on va parler de deux maris, mais on parlera de M. Tshisekedi, le président, qui rencontre Denis Sassou Nguesso. Et la grande question, c'est le port des bananes. Disons, le port en eau profonde des bananes. Et là, Félix Tshisekedi, intransigeant, il dit banana. D'abord, est-ce que le président n'agit-il pas par pression ou sous pression du Bas-Congo, de notables du Congo central? Bon, pour terminer cette page-là d'Anodès, c'est que c'était le couple brazzavillois composé de Denis et Antoinette qui rencontre le couple congolais composé de Antoine et Denise. Et Denise. Voilà. Donc, du coup, Denis, Antoine, Antoinette. Antoinette, voilà. Et c'est très beau. Oui. Bon, à ce qui concerne le port des bananes, je crois que le président Denis a réaffirmé sa volonté de voir un pont jeté entre Kinshasa et Routraï. Routraï. Le président de la République la RDC, apparemment, a réaffirmé sa volonté que le pont de Banana soit construit avant. Mm. Mais ça fait rebondir tout le débat autour de ce dossier. Je crois qu'il revient, la BAD avait déjà disposé de l'argent pour ça. Pourquoi la BAD? Parce que c'est un projet régional, c'est un projet continental. C'est un projet qui ne concerne pas seulement la RDC et le Congo-Brazza. C'est un projet qui ne concerne pas le Bas-Congo. Il faut vraiment que le Congolais soit conscient de ça. Il faut maintenant que le gouvernement congolais puisse mettre en place une commission des experts qui disent qu'est-ce que nous gagnons et nous perdons à travers les deux projets. C'est que le Bas-Congo
brandit, c'est que on fera, il y aura moins de bateaux dans le port du Bas-Congo. Les gros bateaux vont aller vers là et donc ça fera une perte en termes de recettes. Mais est-ce que il faut évaluer quand ces bateaux, quand ces marchandises passeront par Brazzaville pour rentrer au Congo, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Il faut, ici, le flux, ici, ce n'est pas l'affaire du Bas-Congo, c'est l'affaire de la RDC. Moi, je suis malaisé que les gens aient fait une affaire du Bas-Congo. Non. C'est mais pas parce qu'on dit que ça fait rentrer beaucoup d'argent. C'est oui, mais là, cet argent, ce n'est pas l'argent du Bas-Congo. Oui. Le Bas-Congo n'attire qu'une petite partie en termes de rétrocession. C'est l'argent de la RDC. Et comme je dis ici, c'est un projet continental. L'idée, c'est que les personnes et les marchandises circulent depuis le nord de l'Afrique, depuis le Caire, jusqu'en Afrique du Sud, en passant par la RDC. C'est ça l'idée. Et ces pays, nous sommes enclavés, nous devons nous ouvrir. Maintenant, il faut évaluer objectivement. Moi, je ne sais pas me prononcer aujourd'hui sur ça, à moins que des experts sérieux puissent travailler et nous disent ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre. Mais il ne faut pas s'élancer seulement dans le sentiment nationaliste. D'accord. Voilà, pour dire non, nous devons avoir notre port. Il faut, voilà, faut voir. La compétition, l'émulation et tout. Voilà, donc les nations s'ouvrent aujourd'hui, les frontières ailleurs tombent, nous ne pouvons pas continuer à réfléchir en vase clos. Merci beaucoup, monsieur le professeur Adolphe Voto. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. C'était un grand plaisir. J'aurais bien voulu vous poser la question du congrès des journalistes, mais je ne sais pas si vous en aurez certains. Vous avez un mot à placer là-dessus. Il y a un véritable débat aujourd'hui sur la question des journalistes. Le congrès ou pas congrès, faut-il s'unir ou pas? Bon, est-ce que vous avez un point de vue sur la question ou vous vous donnez d'abord le temps d'écouter tout le monde? Non, je suis très déçu par ce qui se passe. Parce que finalement, ce n'est pas dans l'intérêt de la profession. Moi, à l'époque, lorsque Chilunde a été malmené, il y a presque 2 ans, quand on lui a retiré la carte de presse pour dire qu'il ne faisait plus de la profession, moi, je suis intervenu pour dire que c'était trop fort parce que la faute qu'il a commise, si faute il y a, c'était une faute administrative. Ce n'était pas une faute professionnelle. S'il a pris de l'argent, s'il a mal géré, ça n'a rien à voir avec la profession du journaliste. C'est le gestionnaire. On pouvait le suspendre ou le sanctionner à ce niveau-là. Aujourd'hui, la façon dont les choses sont... C'est un peu tiré par les cheveux. D'une part, je n'ai pas apprécié la façon dont notre président veut organiser le congrès dans ces conditions-là. Ça paraît comme si... on a vu, hein, c'est par exemple Constant Omari, pour être sûr qu'il va élire, il déplace les congrès, ça va en province, il sait que beaucoup de gens n'auront pas la capacité de payer les billets, il paye les billets aux autres, il se fait élire. Il ne faudrait pas que ce soit la même chose pour Chilunde. Et je crois que dans l'ambiance, tout ce qui s'est passé avant, si j'avais un conseil à donner à Chilunde, c'est de se retirer et d'organiser les congrès. La vie, ce n'est pas seulement rester là. Parce que même s'il était élu, ça sera encore difficile après, il faut gérer, ce sera la polémique. Et finalement, c'est la presse qui perd. C'est notre image qui est ternie vis-à-vis de nos partenaires. Mais le congrès doit se tenir. Le congrès doit se tenir. Ouais. Le congrès doit se tenir. Beaucoup de gens s'en sont pris à la pauvre dame, Madame Yakero, tout ça. Elle n'est que de bonne foi. On lui a présenté un dossier, elle trouve que c'est bon d'aider la presse. Et aujourd'hui, Pourtant, ma tante avait aussi fait ça. La presse n'a pas d'argent. Ouais. Il n'y a que de partenaires qui nous aident à fonctionner. Mais les autres aussi. Les autres aussi, il ne faudrait pas que ce soit l'occasion de vilipender Chilunde. Je crois qu'il faut trouver un cadre. Bon, on l'a traité de tous les noms. Et voilà, puis après, mais ça, c'est pas bon. Et puis les autres ont repris la chose. C'est contre le professeur Malembe. Moi, je suis désolé que les gens sont allés chercher Malembe pour lui faire porter ce discours-là. Ouais. Moi, je ne pense pas que Malembe mérite ça. Malembe, c'est notre icône. Il n'y a personne dans la presse aujourd'hui qui existe sans influence de Malembe. Et je crois qu'il mérite respect. Mais je crois, même quelles que soient les erreurs qu'on lui a fait commettre, les erreurs parce qu'il ne pouvait pas se prononcer comme ça. Il pouvait d'abord chercher à concilier les gens. C'est ça son rôle en tant que patriarche. Ouais. Donc je crois qu'il mérite toute sa place et nous devons être tendres avec notre grand-père. Merci beaucoup, professeur Adolphe Voto. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, quand tu Washington, maman Martin, 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 maman Martin,
Afrika l'ignore. Et donc, il y a un ignore. Congo.